C'est fait. Touré Natacha est désormais la nouvelle présidente de l'Association des épouses militaires de Côte d'Ivoire. Elle a été investie le samedi 6 mai en présence des officiels et membres de son organisation et compte bien mener des projets pour l'évolution de celle-ci. Et le projet de couture. Et à long terme, nous comptons créer un marché pour les épouses des militaires. Et après, si possible même, pourquoi pas ne pas faire une banque pour les épouses militaires. C'est l'un des projets aussi. Cette investiture qui s'est déroulée dans la commune du Plateau réjouit le cœur des différentes sections de l'association. Déjà, en tant qu'épouse militaire et président de section, je suis très honorée parce que l'AEMC a superbement évolué. Parce que pour avoir une cérémonie d'une telle envergure, c'est que vraiment il y a eu du boulot. Je ne peux qu'être honorée de faire partie de la communication et d'avoir co-animé avec M. Koulibaly Roméo. La nouvelle présidente de l'Association des épouses militaires de Côte d'Ivoire, en abrégé AEMCI, est élue pour un mandat d'une durée de 3 ans renouvelable.